c'est Lupina pour le chapitre numéro 2 de l'histoire des Dégalientis. De Comme vous l'avez vu dans l'introduction, vous avez voté pour la fugue de Bertille. Elle est donc dehors. Et avant de commencer, je vais vous dis un truc. Déjà, je vous remercie, je, vous... je remercie tous ceux qui m'ont envoyé une f... des familles. Vous pouvez aussi m'envoyer des constructions pour que je mette vos familles dedans. Bon, après, euh, je... je me débrouille, mais voilà. Si jamais vous avez envie, que vous êtes plus à faire des constructions que des familles, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Et je veux dire un autre truc, j'ai viré tous les foyers parce que comme vous m'avez fait beaucoup de choses, j'ai eu des idées. Donc euh, j'ai viré tous les foyers sauf euh, ceux que j'ai vampirisés avec Léontine. Euh, et donc euh, et donc euh, j'ai mis vos foyers à la place et on va construire une histoire comme ça ensemble. J'ai tout noté, ça m'a pris 10 heures, voilà. Ça m'a vraiment pris 10 heures, hein, par contre. Je dis pas de la merde là. Euh, c'est pas grave. Hein. J'ai envie de faire ça bien, donc on va faire ça bien. Oui, donc vous m'avez envoyé pas mal d'humains, pas mal de familles hybrides et pas mal et quelques familles vampires. Entièrement vampires, j'entends. Et les familles hybrides, euh, en gros, il y, y a des vampires et des humains dedans. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai catégorisé tout ça. Les humains ignorent l'existence des vampires ou des aliens. Pour eux, ce ne sont que des légendes, sauf pour un groupe minoritaire. Voilà, donc euh, par exemple ceux qui ont tué euh, euh, notre cher Yvon. Les vampires sont issus d'une longue lignée principalement mordus par les Degalientis. Hein, vous n'oubliez pas que c'est les, les vampires maîtres. Ils sont principalement hautains et distants. Avant la mort d'Igor, les Degalientis laissaient leurs enfants... Enfin... Leurs enfants mordus, quoi. Euh, Gérer leur vie comme ils le voulaient. Après, Léontine a interdit aux vampires d'être amicales avec les humains. Donc, ceux qui sont amicales avec les humains ou qui euh, ont fait une famille avec, sont considérés comme des traîtres. Voilà. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Donc, euh, plus d'argent, plus, plus de revenus, etc. Et sont... Enfin, euh, dès que Léontine les verra ça se fightera. Et les traîtres, pour moi, ce sont les familles mixtes. Donc, on va bien rigoler. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, je vais reprendre ma respiration. Je vais prendre la liste des prénoms des enfants. Alors, je vais me concentrer sur les enfants. Pour le moment, vous m'avez envoyé tout. Euh, des ados enceintes. Euh, des ados, des adultes. De tout. Des bambins aussi. Mais on va se concentrer sur les enfants. Il y en a, euh, il y en a déjà pas mal. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, voilà <laughs> Il y en a déjà pas mal, j'ai mis vos pseudos à côté pour dire qu'il a fait. Normalement on ne devrait pas tomber sur trop de Sims, euh, trop de Sims créés par le jeu parce que j'essaye de les virer, mais bon. On ne sait jamais. En tout cas, pour le moment, on va aller parler aux enfants. Et je crois. Il y en a là Oh, il y en a deux cest pas beau Alors, c'est Stanley, c'est de Sandy Bozil. Désolé ou Banzil, parce que j'écris mal. Euh, je suis désolée si j'écorche ton, ton pseudo, ma pauvre. Merci en tout cas de m'avoir envoyé le petit Stanley. Et là, on a Kelly Stenfield qui est envoyée par. Euh... Slave 1977, donc je crois que c'est Ruben, si j'ai bien lu la description, parce que j'ai lu vos petites descriptions. Il y en a qui se sont fait des histoires, c'est épique, mais c'est bien, ça m'inspire comme ça, donc c'est pas dit que je reprenne exactement la même histoire. Bertille <laughs> Ma... extasie elle est couchée sur le bureau quand j'ai dit Bertille et... <laughs> elle a eu peur, ma pauvre Jaja. Bon, allez on y va, Bertie. Tu vas faire connaissance avec le petit Stanley et avec la demoiselle Kelly. Allez, c'est parti. Voilà donc euh, très belle tenue de Bertie. Hein. <laughs> Lol, tout va bien. <laughs> Elle est pas du tout hors temps. Kelly, t'es pas en train de te casser, j'espère. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Donc voilà, donc on va s'occuper d'eux, euh, on, bah, on va discutailler euh, le bout de gras avec eux. Par contre, machin, on t'a pas invité, donc euh, merci, au revoir quoi. Alors, demandez à passer du temps ensemble. Je vais essayer de voir le plus possible de gens dans ce let's play, enfin d'enfants en tout cas. Alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai dispatchés partout. Il hein. y en a à Oasis Spring, il y en a à Willow Creek, il y en a à Windenburg, il y en a à San Michuno. Et les vampires, les, les familles 100% vampires, j'ai essayé de les mettre là où vivent Bertie et sa mère. Ils auront un rôle important par la suite, enfin, ça dépend ce que vous choisirez, à l'épisode 3 Et <laughs> eh oui, et eh oui, oui, je suis comme ça, je suis une petite coquine D'ailleurs, je vous remercie, euh, vous avez été nombreux à voter, j'ai eu 100 votes, j'ai jamais eu autant de votes les mecs, hein, donc merci beaucoup je voulais aussi vous dire que euh, j'essayerai de faire les épisodes vraiment soit la veille, soit euh, juste avant de poster le l'épisode le... mais là je suis obligée de le faire un peu en avance donc on est dimanche pour ceux qui, qui se demandent on est dimanche donc je pense que peut-être vous m'enverrez des... des familles euh, entre deux donc si vous ne passez pas dans cet épisode c'est pas grave et même si vous m'avez déjà envoyé des familles et que vous ne passez pas dans cet épisode vous impatientez pas parce qu'il n'y a rien de pire je vous le dis tout de suite il hein. n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit tu fais ma famille tu fais ma famille tu joues avec ma famille dit tu joues avec ma famille tu peux me faire des décaisses parce que je t'ai fait une famille ça je ne suis pas pas donc euh, si vous le faites trop euh, bah je vous supprimerai du mon jeu <laughs> Là, voilà. je vais essayer de faire participer tout le monde mais me harcelez pas parce que ça me donne pas envie de le faire vous l'avez pas fait mais je préviens au cas où voilà je préviens au cas où aussi je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est je crois que c'est euh... je... non je vais pas dire de nom parce que si je me trompe j'aurai l'air con euh, quelqu'un m'a dit qu'il avait fait un sims pour un autre youtubeur mais que du coup je devais chercher le Sims avec le hashtag du youtubeur. Mais c'est. Enfin, c'est le hashtag du youtubeur. J'ai dit euh, d'accord sur le moment, mais j'ai réfléchi après. C'est quand même le hashtag du youtubeur. Donc si tu veux m'envoyer les Sims, même si tu les as envoyés euh, au youtubeur, euh, remets-les dans la galerie avec mon hashtag. Parce que <laughs> je vais pas m'amuser à aller sur les hashtags de tout le monde. Euh, si je mets un hashtag, c'est pour que je m'y retrouve. Je prends pas mal, hein. Je veux jouer avec ta famille, mais. Pour moi, c'est pas, enfin, c'est compliqué si je dois aller chercher euh, un peu partout. <laughs> Ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres gens Ah, bah lui, il est à poil. Ok, d'accord. Ah oui, d'ailleurs, il y a une famille. J'ai pas compris. Va falloir m'expliquer. Je vais vous montrer tout de suite. Ah voilà, c'est cette famille-là. Donc la famille Arakova, donc ici euh, de Maxum. Et là, j'ai encore Arakova. Donc on est d'accord, c'est le même mec, hein Enfin, ça a l'air d'être le même mec en tout cas, de Mozi. Et c'est exactement la même description. Donc, j'ai pas compris. C'est le même personnage. Donc, euh, je l'ai pas mis. Hein. Je vous le dis, celui-ci, je l'ai pas mis. En plus, il y a du contenu perso. J'ai mis cette famille-là parce qu'elle est complète. Et au moins, il y a une petite fille. Alors que le monsieur adulte tout seul ne me sert un peu à rien. Bon, on s'en fout. Allez, on va jouer. Hop. Alors, le petit gars, il est parti. Mais Bertie, tu te socialises pas trop, hein. Allez, rejoins l'aventure pirate. Au lieu de le faire chier avec ton violon. Ah, bah tant pis. Oui. Ok, donc elle attache le mec pour prendre sa place. Allez, on joue. Voilà, donc on va sympathiser avec le petit. Vous allez voter pour l'enfant que vous avez préféré dans cet épisode. Essayez d'être fair-play, éventuellement de ne pas voter pour, euh, pour votre enfant si, euh, si vous êtes dedans. Essayez d'être fair play, de vraiment voter pour le préféré, enfin celui que vous trouvez le plus mignon ou, ou avec qui vous trouvez que Bertie va le mieux en, en amitié pour le moment. Voilà, donc essayez de voter. Je mettrai les noms, je mettrai les noms donc sur le petit i, voilà à droite, cette fois je ne me fais pas avoir, à droite par là, le petit i. Euh, cliquez et votez. Donc on a Kelly et Stanley pour le moment et je pense qu'il y en aura d'autres au fil du temps. Puisqu'on va pas rester euh, 20 minutes avec les mêmes personnes. Hein non mais oh Allez Kelly, viens jouer. Joue aux pirates oh Oui Voilà, Bertie, je fait des potes, c'est trop mignon. Oh. Il est parti Ah non, il est là. Alors, je vous montre un petit peu comment elle est Kelly. Elle est grave jolie. Oh, elle est trop kiki et le petit... Attends. Ah il est trop kiki aussi. Ah, il a les dents euh, écartées, énormes. Oh, il est trop mignon. Ah, c'est trop cute. Ils sont trop cute tous les deux, je les kiffe. Waouh, trop mignon. Bon, du coup. On a joué un petit peu avec eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ailleurs histoire de trouver d'autres enfants. Je voudrais au moins qu'il y en ait cinq. Nous voilà arrivés au parc de Windenburg. Il n'y avait personne à Oasis Spring donc. Enfin, il y avait une petite vampire, mais je ne veux pas croiser de vampire tout de suite. Là, il y a Iris Muller, créée par Maxoum encore. Il y en a qui m'ont envoyé plein de familles. Je vous mettrai en fin de vidéo. Euh, les photos des enfants que j'ai croisés et vous voterez. Voilà. Donc ça c'est Iris. Elle est super mignonne elle aussi. Oh, ils sont trop mignons hein. Ils sont trop trop kiki. Donc c'est une humaine donc on va pouvoir lui parler. J'espère que la petite cinématique du début vous a plu. Euh, le vous avez choisi comme si c'est comme si le destin était scellé. Enfin franchement ça me plaît trop d'écrire l'histoire avec vous. Après c'est compliqué je vous avoue que peut-être sur le long terme j'aurais pu disait mais justement, j'espère que vos personnages vont m'inspirer. Enfin, je pense que ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool. Aussi, un autre truc. J'ai désactivé le vieillissement. Donc, c'est moi qui vais gérer ça. Et je pense que ce sera plus simple pour euh, le, le vieillissement de tout le monde. Hein, tous les Sims. D'accord. <laughs> euh, je pense que ce sera plus simple à gérer pour faire une vraie histoire, en fait. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais de toute façon, je pense que je vais faire comme ça. Allez, on est amis avec Iris maintenant. Ça s'appelle Iris, hein Oui, c'est ça. Ça s'appelait pas déjà Iris, l'autre. Je sais plus comment elle s'appelait, la pauvre. Ah, oh, c'était qui Non, c'était Kelly, n'importe quoi. N'importe quoi. Hop. On va s'amuser un petit peu avec elle. Et ensuite, on ira à San Michuno. pour euh, finir euh, notre petite tournée. Voilà, euh, Bertie a fait une vraie fugue, hein euh... Enfin une fugue. Elle a profité que sa mère dormait après euh, sa grosse beuverie avec ses potes là pour aller voir du pays. Alors, est-ce qu'il y a un autre enfant dans le coin Un petit enfant. Un petit enfant. Donc, vous avez choisi la fugue et la fugue aura un impact hein, sur le futur. Enfin, tout ce que vous choisirez euh, changera le, le cours euh, de la chose en fait. à chaque épisode, je vais prévoir deux issues. Mais ça, j'ai déjà dit, donc je vais arrêter de me répéter. Voilà, donc qu'est-ce qu'elles font Elles vont jouer. C'est parfait. Donc, elles sont pote, apparemment. Ouais, ça va, à son pote. Amical. Décrire l'ami imaginaire. Du coup, il est déjà 18h. Je pense qu'il faut qu'elle rentre avant minuit. Ça va, ses besoins sont bien. Euh, faut qu'elle rentre avant minuit parce que sa mère, on va dire qu'elle se réveille à minuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Oh, le portable C'est qu'on va vérifier. <laughs> ouais, il y a vos sims là, il y a vos sims. J'en ai reconnu un au moins. Enfin, les deux là, je les ai reconnus, je suis sûre c'est. C'est vos sims, c'est sûr. Donc, ça, c'est bien qu'il y ait vos sims dans, dans la ville, je trouve ça trop cool. Euh, bon, bah, Iris, t'es très gentille, mais on va y aller maintenant. Nous revoilà à Oasis Spring parce qu'il n'y avait personne à Sandmichuno donc il y a une petite vampirette ici on va essayer de ne pas lui parler enfin on va faire comme si euh, on l'avait pas vue je crois que c'est une vampire ah non je dis des bêtises c'est pas du tout une vampire en fait c'est pas du tout une vampire mais elle est élevée par un vampire. Bon, allez, on va dire que c'est pas une vampire. En tout cas, il y a Lola qui, elle, est une humaine. Ça, je le sais. Donc, on va se présenter à Lola. On va aussi se présenter à Athéna. Et on aura nos cinq petits. Euh, petits. Euh, petits sims. What Pourquoi il y avait le Leila là <laughs> Donc, on aura nos cinq petits Bah, ou quatre plutôt, parce que l'autre, elle a l'air partie. Elle s'est cassée Sérieux T'es partie Morue Bon bah Athéna nous fuit. J'ai oublié de dire de qui ils étaient donc Athéna c'est de vous allez rigoler c'est encore de Maxoun. et la petite Lola c'est de Claire Claire à Dag. Je suis désolée encore une fois si j'écorche vos pseudos et si c'est pas les mêmes sur YouTube. En tous les cas merci de m'avoir fait la petite Lola elle est trop mignonne. Enfin ils sont tous trop mignons les enfants je trouve. Vous m'avez fait des beaux Sims hein, quand même, vous m'avez gâtée. Euh, merci, parce que vu les horreurs que j'ai eues dans d'autres séries. Franchement merci. <laughs> donc ouais, donc il euh, bah, y, euh, y aura quatre personnages. Donc je vous ferai un petit. Euh... Par contre, je sais pas pourquoi il fait jour, il devrait faire nuit. Merci les bugs. Je vous ferai un petit... Euh... Bon, je l'ai déjà dit. N'oubliez pas de voter à droite. Là, sur le petit i, votez pour votre, votre, votre enfant préféré. Donc là, on fait connaissance avec Lola. Elle a l'air plutôt sympathique, hein, la petite Lola. Hein. Je vais voir quand même s'il y a Athena qui, qui est revenue. Parce que ça m'embête un peu qu'elle se soit sauvée comme ça. La coquillette. Ça, c'est qui C'est Summer, non Non, non. Ah non, ça, c'est un des sbires de notre mère, ça. Euh, bon bah Athéna est partie à moins que j'ai qu'elle soit sous mon nez et que je la vois pas mais je vous promets moi je la vois pas hein. bah c'est cassé elle s'est cassée. cassée comme ça oh, mais ils sont sérieux <rire> bon <rire> bah écoutez hein il est temps euh, de rentrer avec Bertille dès qu'elle aura fini de parler avec la petite on va rentrer je vous laisserai voter pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Que l'intro vous a plu, que l'intrigue vous a plu, que vous vous demandez où je vais vous emmener. Gnarc, <laughs> gnarc. J'espère que vous allez aimer. Bon, j'arrête de dire que j'espère que vous allez aimer parce que là, vous, ça va vous saouler à force. <laughs> non, mais vraiment, ça m'importe beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis. Et même si vous n'aimez pas, hein, vous pouvez le dire. Vous pouvez carrément le dire tant que vous me dites pourquoi. Et une vraie raison, hein, parce que j'aime pas, c'est de la merde. Pour moi, c'est pas une raison. Voilà. Donc, elle a fini de parler avec la petite. Donc maintenant, ma petite Bertie, tu vas rentrer bien gentiment. Donc, on va se laisser ici sur le beau visage de Bertie. Avec son appareil dentaire. Tout va bien. <laughs> Tout est magnifique. Donc on va se laisser ici. Moi je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de voter. Je vous laisse avec les portraits et les noms des petits enfants qu'on a croisés. Et à la semaine prochaine. Bisous